Bonjour à vous, amis Gémeaux, et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique pour la période du 1er au 15 juin. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec les cartes du tarot et je suivrai avec l'oracle des ombres et le chakra du cœur. Et puis, je terminerai sûrement sur quelques cartes aussi de mon oracle du messager qui est juste là pour voir quels conseils on peut vous envoyer. Mais on va déjà voir avec le tarot ce que ça vous réserve. Alors, on a ici le 8 de denier qui est en inversé, le monde et la reine de bâtons. Je m'occuperai des trois autres après. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous? On voit déjà que vous êtes dans une vie, pour moi, qui est un petit peu morne, en fait, si je peux dire ça comme ça. Disons que votre vie manque peut-être un peu de nouveauté, elle manque peut-être un peu de mouvement. Vous vivez dans une certaine indifférence d'un peu tout, en fait. Mais avec le monde qui suit, on voit qu'il va quand même y avoir du mouvement. Il va y avoir un accomplissement sur quelque chose, une réussite. Donc là, on est sur le chakra du cœur, donc ça peut parler d'une réussite sentimentale qui arrive à vous, mais ça peut aussi être un accomplissement ou une réussite professionnelle ou quelque chose qu'en tout cas qui vous tient à cœur, parce qu'on est sur le chakra du cœur. C'est une carte aussi qui peut dire qu'on passe au chapitre suivant dans notre vie, qu'on clore un chapitre et qu'on passe au chapitre suivant. C'est une carte aussi qui dit qu'on peut avoir envie de voyager. Ici, on voit avec la reine de bâton qui est en inversé que vous faites quand même preuve de beaucoup d'exigence vis-à-vis de vous-même. Alors, cette exigence peut vous mener à ce succès. Par contre, ça peut aussi être un avertissement d'une énergie comme ça qui s'épuise ou d'un potentiel qui est gâché. Alors, on va voir. Je vais faire les autres tout de suite parce que en fait j'ai besoin de l'intégralité. Alors, on a la force qui est en contre. Donc là, je vous parlais de, je ne sais plus comment je vous ai dit d'ailleurs, de votre énergie, voilà, qui s'épuise. La force en contre manque également. Montre également une faiblesse physique. Là, il y a une histoire de grande fatigue physique que je vois pour moi. Après, bon, la force en contre peut aussi parler d'une situation où vous êtes dans une certaine incertitude ou alors vous perdez le contrôle comme ça d'une situation, mais avec le monde qui est ici, je ne comprends pas trop encore votre tirage là pour vous les Gémeaux, c'est un peu compliqué. Alors attendez, je regarde l'intégralité. Là pour moi, bon, la force sort en dessous du 8 de denier. Donc pour moi, il y a une, comment dire, une sorte de perte de contrôle de votre vie. Et c'est ce qui fait que finalement vous vivez dans cette vie un peu morne, un peu dans la différence la plus globale. Par contre, bon, il y a bien cet avertissement quand même sur votre énergie physique, là, hein, qui, cette faiblesse, alors, c'est peut-être que temporaire, mais vous allez peut-être beaucoup vous donner, vous allez peut-être justement être tellement exigeant vis-à-vis de vous-même pour accomplir ce projet, que finalement, là, vous allez vous épuiser physiquement. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. En plus, on a la reine d'épée sur le monde. Donc finalement, ça montre que vous faites preuve de méthodicité. Vous avez beaucoup d'intelligence comme ça, de logique. Vous êtes aussi peut-être très indépendant dans votre façon de gérer ce projet-là que vous avez, que vous mûrissez. Et très cérébral également. Puisque la reine d'épée, c'est pas, on n'est pas sur le cœur là, on est vraiment sur l'esprit. Ces deux cartes là, elles sont belles pour vous. Moi, je pense vraiment que là, vous allez avoir un projet qui aboutit. Alors,
Ça peut aussi parler d'un projet qui aboutit côté cœur. Pourquoi? Parce que ici, on a aussi le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes en fait qu'on peut sortir. C'est l'amour, c'est le romantisme, ça peut même être un mariage, c'est une compréhension mutuelle, voilà, c'est le soutien qu'on peut s'apporter comme ça. Qui sort aussi sous la reine de bâton. Donc peut-être aussi que ça indique que vous êtes exigeant en amour également. Exigeant en amour, peut-être parfois légèrement agressif aussi. Et que vous pouvez avoir facilement votre énergie comme ça, qui, lorsque vous aimez, en fait, votre énergie peut... Comment je pourrais vous dire ça? J'arrive pas à trouver mes mots, mais en fait, votre énergie peut s'amenuiser parce que vous allez tellement donner de vous, de votre personne, que finalement, à force de trop donner comme ça, vous vous épuisez physiquement, quoi. Bon, c'est un peu dans votre caractère aussi, les Gémeaux, hein, parce que vous êtes des signes qui aimez beaucoup. Mais généralement, effectivement, vous avez tendance à donner beaucoup. Et là, on voit que ça ressort sur un certain épuisement. Donc, c'est quand même en lien avec votre vie, votre façon de vivre, votre façon d'aimer. Là, pour moi, si vous voulez, il y a deux choses distinctes. Il y a la réussite, pour moi, d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est ici, en énergie centrale. On a cette forme de lassitude, de fatigue physique, morale qui est ici, dans votre vie. Et ici, donc, un accomplissement quand même amoureux qui est là, mais sur lequel on vous dit, attention quand même à ne pas vous montrer trop exigeant, attention quand même à ne pas trop vous oublier peut-être aussi, ou à vous montrer peut-être parfois un peu trop agressif. J'allais dire ou violent, mais bon, c'est des fois c'est violent. Vous pouvez être violent, par exemple, dans vos propos et sans franchement le vouloir. Mais voilà, votre autre va être blessé. Je vais regarder ce qu'on a avec mon oracle des ombres. Bon, là, on a deux cartes inversées. On a la lucide et l'errant. Qu'est-ce que ça signifie? La lucide, elle parle de dépendance affective. Elle parle de jalousie aussi, d'obsession comme ça. Et du coup, je pense quand même qu'il y a cette histoire de dépendance affective avec votre autre parce que vous aimez énormément cette personne. Mais la dépendance affective comme ça, elle perturbe un petit peu notre chemin de vie, si vous voulez, parce que ça ne crée pas des relations complètement saines. C'est-à-dire que vous avez tendance à vivre au travers de l'autre uniquement, au travers de son regard, au travers de ce qu'il ou elle souhaite. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui vous épuise, mine de rien, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous attendez ou vous êtes justement tellement exigeant ou tellement... Ouais, c'est ça, c'est exigeant par rapport à l'autre parce que vous êtes dépendant affectif, que vous, si cette personne ne répond pas exactement à vos attentes, vous allez vous épuiser. Voilà. Donc là, vraiment, on a cette histoire de dépendance, de jalousie qui est là. Avec l'errant, on voit également que vous êtes une personne qui a peur finalement des changements qui peuvent intervenir dans sa vie, qui a peur, une relative peur de l'inconnu. C'est aussi une carte, vu qu'elle sort à l'envers, qui peut vous dire, oula, attention, à cause d'une certaine forme en fait de passivité, vous risquez de louper des occasions. Alors, attention quand même, parce que là, vous avez le potentiel de réussir quelque chose, on le voit hein, très clairement ici en énergie centrale, mais attention à ne pas être trop passif non plus dans votre projet, parce que même si vous êtes fatigué, il faut vous faire peut-être violence pour arriver à cette réussite et arriver à saisir les opportunités plutôt qu'elles vous passent sous le nez. Ici, pour moi, c'est un avertissement qu'on voit de vous dire attention à votre passivité, votre peur aussi de l'inconnu qui pourrait vous bloquer ou votre peur du changement en fait. Hein. Je vais regarder ce qu'on avait sur le chakra du cœur. Bah, vous voyez, regardez, voilà. Les deux cartes qui parlent de dépendance affective, elle ressort encore la dépendance affective. C'est marrant, je l'ai sortie aussi sur le signe d'avant.
Donc ouais, là très clairement, bon, il faut que vous fassiez attention à cette dépendance affective. Il y a beaucoup d'amour, ça c'est sûr, mais pour moi, voilà, il y a quand même une dépendance affective qui vous bloque quelque part et qui, je pense, vous vide un petit peu de vos forces quand vous vous sentez atteint. Parce que l'autre ne répond pas nécessairement dans le sens que vous aimeriez. Et ça, c'est un travail qu'il faut réussir à faire sur soi pour se libérer hein, d'une dépendance affective. C'est extrêmement compliqué, mais c'est possible. En plus, vous avez le monde, donc finalement, là, j'ai envie de dire, le monde vous est offert, hein, mais c'est vraiment ça pour le coup. Donc, je vais tirer quelques cartes avec mon oracle du messager, et puis on va voir un petit peu ce qu'on vous envoie comme conseil. Allez, c'est parti. Hop là, bah, ça saute déjà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous avez peur du changement. Pourtant, ici, encore une fois, on voit qu'il y a un nouveau jour, en fait, qui se lève pour vous. Quelque chose de... Ouais. Vous avez le monde et vous avez celle-là. Il y a quelque chose qui arrive hein, pour vous, qui est en préparation. Il y a un changement pour moi. Un nouveau jour qui se lève, voilà, c'est ainsi que c'est dit. Et avec le monde à côté, vraiment, je pense que il va y avoir quelque chose qui va bouger pour vous sur la première quinzaine de juin. Alors, je ne peux pas savoir quoi, vous le savez mieux que moi, mais en tout cas, ça se concrétise pour moi. On vous a juste quand même envoyé quelques messages. Comme je vous ai dit, pour vous avertir de ce qui pourrait peut-être entraver cette réussite. Hop là. Ouais, bah vous voyez, regardez. On a les peurs, hein. Vous avez la peur de ce changement, la peur des choses qui peuvent arriver. C'est quelque chose qui vous angoisse, hein. Littéralement. Ici, on vous donne comme conseil de... comment je pourrais vous dire ça? Stimuler votre perception. C'est-à-dire que même si les gens n'ont pas le même avis que vous sur une question, ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens ont tort, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez tort. C'est juste que vous n'avez pas le même point de vue. Voilà. Donc cette carte-là, elle vous invite en fait à vous ouvrir au fait que finalement, tout le monde ne peut pas avoir le même avis que vous. Alors ici, on voit que vous êtes... capable de faire quand même des sacrifices pour arriver à vos fins. Vous êtes prêt quand même à faire le sacrifice. Le sacrifice, ça peut être le sacrifice d'une personne pour aller vers quelque chose de mieux, ça peut être le sacrifice d'une situation, ça peut être le sacrifice, je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais ça peut être le sacrifice d'une vie qu'on laisse derrière soi, ça peut être... En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas, on voit que vous n'hésitez pas à sacrifier. Certaines choses pour réussir à avancer. Ici, on a cherché la leçon qui sort en dessous, la possibilité d'un jour nouveau là qui se lève pour vous. Ça veut dire qu'en fait, il y a une leçon que vous n'avez encore pas intégrée. Ça, c'est un petit peu ce que je vous sortais tout à l'heure, quand je vous disais que c'était avec celle-ci, il me semble. Non, je ne sais plus. Je suis en train de me disperser. En tout cas, il y a une leçon, voilà, que vous n'avez pas encore compris, qu'il faut que vous intégriez. Je suis en train de réfléchir. Oui, si pour moi, c'est ça. En fait, la leçon qu'il faut que vous reteniez, c'est de faire attention. Faire attention, si c'est ça, la reine de bâton, je pense. À ne pas perdre le contrôle de votre vie, à ne pas vous montrer trop exigeant comme ça. Faire attention à votre énergie. C'est une leçon peut-être que vous n'avez pas encore intégrée. C'est-à-dire, vous vous donnez peut-être trop, vous vous impliquez trop, que ce soit en amour, que ce soit sur vos projets personnels. Et en fait, vous n'avez peut-être pas compris qu'entre deux, vous avez besoin de repos. Voilà. C'est comme ça que je vais interpréter cette carte-là pour moi. Il faut que vous compreniez que, bon, c'est bien de s'investir, c'est bien de se donner à fond, mais à un moment donné, il faut faire attention à vous. Voilà.
C'est un petit peu là ce qui peut entraver ce jour qui se lève, parce que si à un moment donné vous vous écroulez de fatigue, d'épuisement, de moralement, peu importe la façon dont vous pouvez vous écrouler, mais si ça ne suit pas, finalement vous ne pourrez pas aboutir à ce renouveau, à ce nouveau projet, ce nouvel amour. Voilà. C'est comme ça que je vais l'interpréter pour vous. Vraiment. Je pense que c'est ça la leçon que vous devez intégrer. Ici, on vous dit aussi que les réponses pour avancer sont en vous, hein. Il faut que vous cherchiez, il faut que vous réfléchissiez ce qui est au fond de vous. Parce que c'est là que les réponses se trouvent. Et c'est vous qui avez les clés en main, en fait, finalement, pour pouvoir opérer ce changement, pour pouvoir comprendre cette leçon, pour pouvoir contrôler vos peurs, là, qui sont là. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. On vous explique bien que même pour travailler sur cette histoire-là de perception, c'est en vous, hein, que les clés se trouvent pour faire ce changement. Ici, vous voyez, malgré sur vos peurs, on a resté fort. Donc là, finalement, on vous dit bien de rester fort par rapport à vos peurs, ne pas les laisser vous bouffer comme ça, ne pas les laisser vous empêcher d'avancer vers l'avenir. Parce que, ouais, vos peurs, elles peuvent. Bon, là, j'en ai trop. Vos peurs, pour moi, ça peut être un vrai frein aussi, cette histoire. Hein, pour moi. Puisque, de toute façon, ici, on avait. Ici, on avait l'errant qui parle de la peur de l'inconnu, du changement. Ici, on a vos peurs et restez fort. Et le changement qui sort là, le changement qui sort là. Donc, je pense qu'il y a un problème quand même vraiment de confiance en vous quelque part. Aussi. J'ai la sensation en tout cas. Comme on voit qu'en plus vous vivez dans une vie assez monotone, assez voilà, où il n'y a pas beaucoup de nouveautés, finalement, dès qu'il y a une nouveauté ou autre comme ça qui arrive, vous voyez, vous êtes tout de suite perturbé, vous avez peur, ça vous déstabilise. Alors que justement, ça peut être vraiment quelque chose de super, en fait, le changement. Hein, surtout avec le monde, ouais, c'est l'une des meilleures cartes qu'on puisse trouver. Là, vous avez quand même deux superbes cartes, hein, sur votre jeu, les Gémeaux. Hein. Franchement, honnêtement. Enfin, même plus que ça d'ailleurs, parce que celle-ci, dans l'oracle du messager, là, celle-là, elle est super aussi. Donc, ouais. Vous avez quand même des belles cartes. Mais bon, attention à cette histoire quand même. Attention à cette histoire quand même de faiblesse un peu physique qu'on voit là, ou morale, je ne sais pas trop, ou les deux, hein, c'est possible aussi. Ici, on a concentrez-vous et agissez. C'est-à-dire que on vous dit qu'avant de prendre la moindre décision, il faut déjà bien bien réfléchir sur votre projet, votre envie, ce que vous voulez faire. Et seulement ensuite agir. Voilà. Bon, on voit que de toute façon, avec la reine d'épée là qui est en dessous, que vous êtes quelqu'un quand même de méthodique, hein, de logique. Donc, bon, je pense que vous concentrer et agir ensuite devrait ne pas poser trop de problèmes. Pour moi, en tout cas. En dos de deck, on a les besoins et nécessités. Hein. Donc, on voit que vos besoins et nécessités vont être remplis. Et vous voyez, c'est quand même dingue parce que ici, on voit que vous hésitez à défoncer les portes. Hein. Vous hésitez à défoncer les portes. Vous avez peur de votre côté sombre, de vos défauts. Là, on voit que c'est répétitif au niveau des cycles. Vous avez du mal à voir la vérité en face. Hein. Là, on vous dit d'être courageux. Ouais. Voilà pour vous, les amis Gémeaux. En tout cas, bon, franchement, vous avez quand même un beau tirage pour moi. Hein.
vraiment un super projet là que je vois qui arrive hein, pour certains d'entre vous. Ouais, super projet là qui arrive avec ces deux cartes là. En amour, pareil, super, superbe carte. Bon, simplement, faites attention à cette histoire là de pas être trop surmené parce qu'on a les deux ici quand même hein, qui parlent d'une faiblesse. Physique, faiblesse morale, peu importe, mais en tout cas, ça pourrait vous porter préjudice, hein, vraiment, à mon sens. Donc voilà, faites attention aussi à cette dépendance affective dans laquelle vous avez peut-être aussi tendance à vous enfermer, hein, parce que vous aviez aussi un avertissement là-dessus. Finalement, vous avez quand même pas mal de choses à travailler ce mois, enfin, pour les 15 premiers jours, là. Il y a un super beau projet qui arrive sur vous, mais il faut travailler sur votre dépendance affective. Il faut travailler sur vos peurs. Bon, ça peut être lié aussi, hein, la dépendance affective. Quand on s'en détache, on peut être plein de peurs. Peur peut-être que notre partenaire nous quitte, peur que de ne plus assez plaire, peur de l'avenir, peur de plein de choses, quoi. Donc voilà, moi je vais retenir quand même que vous avez la potentialité d'arriver sur un beau projet. Et puis bah, je pense que les messages sont bien passés pour que vous puissiez aller vers ce renouveau qui vous attend, les Gémeaux. Je vous souhaite du coup un bon début de mois. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds assez facilement aux messages privés. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.